Hello Facebook, YouTube, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? YouTube, faites-moi un petit pouce si vous m'entendez. Là, Facebook, ça c'est bon. Alors, on m'entend, Patricia? La méchanceté, vous m'entendez? Donc, nouvel outil. Hello les copains. Salut Jean-Marc, salut Patricia, Nathalie. De retour sur YouTube. Nouvel ordinateur. On m'avait prêté un ordinateur, je vois que l'image, elle est dégueulasse. Bon, on va faire avec, hein. Pouce en l'air, l'image elle est pas top, hein. Rattrapage demain matin. Oh, on est ok. Donc le matériel, les copains, vous avez vu, petite charge. Attendez, j'essaie de caler ça. Hop. Donc pour les adducteurs, cuisse, fessier. Et les fesses, donc ouais, cuisses, adducteurs, fesses, les amis. Ouais, donc on me dit là où je chicade, hein, on m'a donné un ordinateur qui marchait pas, là j'en ai récupéré, hein, donc ça va mieux. Salut Maëva. Donc, écoutez les amis, aujourd'hui, adducteurs, donc on aura besoin d'un ou deux oreillers gros qu'on mettra entre les cuisses. Ensuite, on aura besoin d'une chaise. Et on aura besoin d'une charge pour travailler les fesses. Donc dites-moi les amis, avant de commencer, il nous reste encore une petite minute. Salut Hervé. Il nous reste une minute les amis. Jeudi, vendredi, normalement c'est férié. Je vais normalement faire court, si vous êtes là. S'il n'y a personne, bah désolé. Hein. Donc dites-moi, envoyez-moi un petit message pour savoir si vous êtes là, jeudi. Bon, j'espère que vous allez bien. On va commencer, ça va être l'heure. Merci d'être présents les amis, merci d'être là. Je vous rappelle, il y a une cagnotte qui a été créée, une cagnotte Litchi qui a été créée par la famille de Brune et d'autres personnes. Donc, pour le Studio 01, il reste à peu près une dizaine de jours. Merci d'être présents les amis, merci d'avoir participé. Déjà, d'être là tous les jours, c'est vraiment top. Donc voilà, et merci encore. Et on va commencer. Allez, je vais te la mettre ici, c'est chaud. Salut Coco! Ok Nathalie, vous serez là, c'est nickel. On est bon? Sur YouTube, je vous vois un peu. C'est parti les amis! Écartez les jambes, inspirez et relâchez encore. Voilà, vous serrez les bras encore deux fois. Bloquez en haut, poussez avec les mains, croisez les doigts. Éloignez, engagez vos abdos, poussez sur le côté les amis, sur le côté les bras sont tendus. Voilà, éloignez les mains, 4, 3, changez de côté, pareil les bras sont tendus, les abdos serrés, poussez bien avec les mains, 4, 3, 2, je ramène vers le vent, et demande en plus, la tête est rentrée, les mains sur les cuisses, le dos rond, et le dos plat. Encore, enroulez votre dos.
passez vos plats. Enroulez votre dos. Et là, déroulez doucement le dos si vous allez. On va faire 7. À droite et à gauche. Ça va? Vous pouvez répondre, hein? Je sais qu'on vous aide, ça va, les amis. D'un coup, fesses à terre. Hey! Ajoutez les bras, les amis. Donc là, on fait un petit échauffement. Cool. Cardio. Encore. 8. 4 fois. Attention, redressez un peu le genou à terre. Pousse avec les bras. Voilà, avec les bras, droite et gauche. Un peu serré. Et 8. 4 fois. Sur le côté, les amis, vous prenez 7 touches. Et fais les mouvements un peu plus grands. Un peu plus grand. Voilà, t'as nos fesses à terre. Et redressez-vous un peu. N'hésitez pas à engager vos abdos. Hein. Genou à terre, pareil, juste avec les bras. Allez, à droite et à gauche. À vous serrer les copains. Et 4 dernières. Reprenez 7, je vais pas plier les jambes, regarde. Yeah. Allez, descends. Garde le droit, regarde, regarde. Pas comme ça, hein. Le dos droit, les amis. Yes. Attention, talon fesse, doublé. Doublé. Voilà, doublé, ça a l'air deux, hein. Et oui. Voilà, encore. Je me rappelle, allez, sur Facebook et sur YouTube, on a prévu, les amis. On a un peu la technique. Double genou. Double. Yes. Allez, encore. Regardez, là, je pivote. Encore 4 fois. Une, deux. On va ramener les pieds serrés, on va juste dégager du côté. Descendez, descendez les amis. Voilà. Donc là on commence tranquillement. Les mains derrière, fixez les omoplates. Sur le côté. 8 sur le côté. Côté. Le pied, le genou dans l'axe. 4. Changez les amis. Hey. Poussez bien sur le talon, sur la pointe de pied. Les abdos serrés à chaque fois. Hein. Voilà, change. Allez, encore. Essayez d'aller un peu plus bas. Voilà. Je dégage côté. Côté. Change, change. Poussez. Voilà, descendez encore un peu. Et là, on va en faire 16 sur le côté. 16. Hey. Poussez bien sur le pied là. Bien, celui-là. D'accord? Allonge le dos, serre le ventre. 8. 7. Allez, la cuisse, petit échauffement, hein. Changez les amis. Hey. Voilà, décalez votre pied. Pousse. Encore. 8. On va enchaîner. Squat ouvert. Doucement. Dégagez sur le côté. Regardez. 1. Prenez le pied vers l'extérieur. Change. Donc là, on va ouvrir les pieds plus large que les épaules. Voilà, encore. Yes, continuez les amis, doucement. 1, 2, 3, je remets. 1, 2, 3, encore. Ça va? Et dernière, attention, on va accélérer. Accélère, c'est parti. Côté, je remets. Côté, continuez, regardez. Le dos est droit, d'accord? Quand vous descendez, les genoux ne dépassent pas les points de pied. Si vous faites ça, c'est pas bon. Et le dos, regarde. Pareil, essayez d'allonger. Continuez. 8. 7. Plus bas. Descendez encore un peu. 4. Encore deux fois. Ok, préparez-vous les amis. Côté, trois petits en bas. Engagez les abdos. Voilà, continuez. Ok, continuez. Regardez. Les fesses à hauteur des genoux. Et essayez vraiment d'allonger votre dos. 7 en bas, 7 en bas. 6. Le dos est droit, les amis. Levez la tête. Je ramène. Change. Encore. 7. Les pieds ouverts. Poussez sur les talons. Donc là, c'est les cuisses et les abducteurs. Allez, encore. 7 en bas. 7. Plus bas, plus bas, plus bas. 3, 2, 1. Change. 7 en bas. Voilà. Là, ça va commencer à chauffer. Côté les amis, 15 en bas, 15, allez, respiration,
Fixez bien les omoplates. Descendant un peu. 7. Voilà, descend. 3, 2, 1. Changez les amis. Allez. Pensez à votre respiration. Si ça va, descendant un peu. 7, 6, 5, 4. On va ramener les pieds parallèles. Descendez doucement en deux temps. Ça, c'est le mouvement de base. On fait les squats. Donc là, l'alignement pointe, genou, épaule. Quand tu descends, les cuisses maximum parallèles au sol. Et quand tu remontes, regarde, ne tends pas les jambes. Hein. Souple. Descends. Je lève. Venez. Voilà, encore. Poussez bien sur les talons. Hein. Attention, les amis. Accélérez. C'est parti. Alors. Si vous êtes à la maison, les amis, non, à la maison, hein. Si tu as un tapis, tu peux enlever tes baskets, mais tu te mets sur le tapis. Trois petits en bas. 1, 2, 3. Je lève encore. 1, 2. Voilà, nickel. Petit en bas. Allez, quand vous remontez, on va lever les talons. Là, ça va tirer un peu les mollets. 3, 2, et les jambes pas tendues au maximum. Hein. Voilà, encore. 3, 2, 1. Une dernière. 4 en bas et on remonte en sautant. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est bon, je te vois. Hein. Lève. Le dernier. Relâchez. Talons dedans. Soufflez un peu, mes amis. Voilà, talons dedans. Bloque le talon. Bloque. Descendez. Allongez votre dos. Donc là, on va bien chauffer les cuisses. Hein. Je relâche. Chante. Pensez à vos cuisses, les amis. Regarde le dos, ça c'est pas bon. Hein. Allonge le dos. Descends encore un peu. Je relâche. Attrape le pied. Ramène le talon derrière. Donc là, on a fait deux petits échauffements des cuisses. Je relâche. Chante. On va continuer, les amis. On va faire 5 minutes. 5 minutes des cuisses. Et après, on enchaînera les fesses. Moins un peu, moins un peu. Ok. Et après on va faire fente droite et fente gauche. C'est parti, ça fait 4, 3, descend, 2, je ramène les mains sur les hanches, devant, pied droit, droite, jambe, pied gauche. Ok, on va faire doucement, c'est mieux, hein, défense. En bas, décalé, décalé. 4, 3, 2, pied pareil, doucement, pied gauche, regarde, ça fait 1, 2, 3, je ramène. Voilà. On repart en bas. Pliez les jambes. 4. 3. Enlève la tête. 2. Les mains sur les hanches. Pieds droit doucement. Pieds gauche pareil, doucement. Le retour pareil, les amis. Hein. Descendez. 4. 3. 2. Pieds gauche doucement. Fente. 1. 2. Encore. Les fentes, on sera rapide, les amis. Décalé, c'est parti. 4. 3. Plus bas. 2. Ramène les mains sur les hanches. Fente droite, gauche. Rentrez 4. 4. Ramène. 3. Si tu abats le genou, tu décomposes le mouvement. Hein. Décalé, en bas. 4. 3. Plus bas, les amis. Voilà, ramène les mains sur les hanches. Pied gauche. Gauche. Ça va chauffer les cuisses. Droite. Gauche. Repart. On va changer. Les fentes. On fera trois petits en bas. Une fois à droite. Une fois à la gauche. Pied droit devant. Trois en bas. 1, 2, 3. Pied gauche.
3. Deux. Pied gauche, 3 petits en bas. 1. 2. 3. Voilà. Là, c'est les cuisses. Hein. Continue, descend. Posez-vous la question. Est-ce qu'on est vraiment en bas? Ça va chauffer les cuisses. Hein. Pied droit devant. 3. 2. 1. Pied gauche. Pensez à votre but, les amis. Dégagez, côté. 4. Et regardez mon dos. Le dos, on se redresse. Pied gauche devant. 3. 1. 2. 3. Encore. Que le pied gauche, les amis. Pend, reste. Reste pied gauche. En bas. Je lève. Voilà, les pieds largement devant. Si que l'habitude. Le muscle devant, le dos droit. Ça permettra d'aller plus la fesse. Encore 8. 8. Je vais. Si ça tire sur le genou, regarde. Tu fais celui-là. Ok? Si tu sens ça tire sur le genou, tu fais celui-là. Droite petit en bas. Donc là, on a le pied gauche devant. Encore. Voilà, ça va choper les cuisses. Encore deux fois. Là, c'est cool. Tu vas laisser le pied gauche devant. Et on va pivoter en squat ouvert. Squat ouvert. 3 petits en bas, go. 1, 2, 3, je remets. Encore. Tout à l'heure, on avait le pied gauche devant, d'accord? Là, c'est le pied droit devant. Fente 16, fait. Allez, c'est parti. En bas, remonte. Quand vous remontez les jambes, là, regarde. Légèrement plié. Voilà. En bas, je remonte. Allez, encore, encore. 8, je lève. Juste après, on enchaînera le travail des fesses. Grand fessier, petit moyen. D'accord? Plus que 2. En bas, les amis. 3 petits en bas. Encore. Voilà, 2 fois. On va laisser le pied devant. La dernière. Par ici, pivote, squat, petit en bas, ouvert, squat ouvert, petit en bas, reste, reste, descend de plus en plus bas. Engagez vos abdos, les fesses à hauteur des genoux, lève la tête, 4, 3, 2, ne bougez plus, restez en bas. À vous serrer, concentrez la respiration, descend, remonte, non, j'ai gardé, reste en bas, 4, 3, après on aura besoin de la chaise juste pour un appui. Relâche. Ouais, tu veux. Donc là, c'est pas compliqué. La chaise, pour l'instant, s'en sert d'appui. Regardez. On va faire derrière et après côté. Derrière. Côté. Quand je vous dirai, on fera jambes pliées, jambes tendues. Ok? Pour l'instant. On est prêts? La jambe souple. Vers l'arrière, c'est parti. Pousse. Encore, encore, derrière. Plus que deux. Et là, on se redresse un petit peu sur le côté. Sur le côté. La pointe vers l'intérieur. Le buste vers l'avant, mes amis. Branchez votre buste. Lève. Si ça va, regarde. Tu peux poser les mains sur le dossier. Encore. Continue. 4. Plus que deux. Redresse-moi, côté, petit, 8, je descends, 7. Pensez à votre dos, les amis. Donc la jambe est légèrement pliée, le dos est droit. Si vous avez les lèvres, n'hésitez pas. Hein. Vers l'arrière, lève, 8, retiens. Et la jambe dans le prolongement du buste. Hein. Encore, 4. Le même mouvement, 3 petits en haut, lève, lève, 1, 2, je retiens. Le dos, évitez d'enlever, regardez, fixez bien les omoplates. Encore une fois, redresse-toi, sur le côté, lève, lève, pousse. Donc la jambe, regarde, jambe tendue, on ne va pas chercher derrière, on ne va pas chercher devant, là c'est sur le côté. Et on travaille petit, moyen, fessier, mais pas derrière, faites attention. 3 petits, lève. 1, 2, 3, je retiens. Pensez à votre dos. Est-ce qu'on a le droit?
Voilà, sur le côté. Encore une fois, on reprend le premier mouvement vers l'arrière. On est 7, go. Allez, belle. Voilà, continuez sans poser le pied, hein, bien entendu. L'autre, regarde, il est légèrement plié. Légèrement plié. Allez, 7. 4 fois. Si tu sens que ça tire sur le dos, regarde. Redresse un petit peu et on est comme ça. 3 petits enlèves. Je retiens. Le nombril est rentré. Les fesses serrées, les amis. 3, 2, 1. Encore. Continuez. Ne relâchez pas. Avant vers l'arrière. J'inspire sur la descente. 3, 2, 1. Encore 2 fois. Ça, hein. La jambe est souple, l'autre tendu, pied flex, pointe de pied vers le bas. Et très important, engagez vos bassins. Regardez, si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Pensez à vos bascules. Voilà, sur le côté. Si tu cambres, tu vas tirer sur le dos. Hein. Donc là, ça va moins tirer sur les fesses, mais plus sur le dos. Attention, trois petits mouvements. Lève. Allez, encore. 3, 2, 1. Voilà les amis. Et regarde le pied vers l'intérieur de la ligne. Encore 4 fois. Je retiens. Si ça va, tu gardes les mains sur les hanches. Ça va te permettre de travailler plus la jambe d'appui. Voilà. Encore une fois. Le troisième mouvement. Tu plies la jambe. Regarde. Plie. Pousse. Le même principe. Le plus de la main. Vous pouvez poser les mains là, regarde. Quand tu fais ce mouvement, c'est le galop de la tête. Puis, je pousse. Puis. Allez, encore. Est-ce qu'on a les abdos serrés là? Encore 7. Pliez, tendez. On va sentir la jambe d'appui. La jambe d'appui. Celle-là, au niveau de la fesse, hein. Vous poussez bien sur le talon. Et l'autre, on va sentir pareil, le galop de la fesse. 8, 7. 4 fois. Le pied derrière, le pied également, lève. Allez, tout serré, les amis. Je vois la jambe tendue dans le prolongement du dos. Donc soit pareil comme ça, si vous avez le muscle vers l'avant. Sinon, on est là, comme ça. Ne bougez plus, restez. Allez, serrez les fesses. Je vais off. Lève encore un peu. 4, 3, 2. Relâchez, les amis. Allez, les fesses, hein. Changez. Soufflez un petit peu. Donc là, on va commencer. Jambes à l'arrière, 4 fois, ça fait 4. Retiens. 3. Mauvaise fois, vous n'avez pas changé les amis, hein. Ok. 4. 3. 2. Sur le côté. Et là, devant, devant. Allez, encore. Voilà, devant les amis. Sur le côté, redresse-toi, serre devant. Et là, on va enchaîner les séries du 8. Attention, vers l'avant, premier mouvement, lève, pousse, retiens. Vous soufflez, vous levez la jambe. Voilà, encore, lève, sans poser le pied. Encore 2 fois. Redresse, côté, pareil, 8, 8. La pointe vers le bas, regarde la jambe. Pas derrière, hein. Là, sur le côté, 4. Encore. Premier mouvement les amis, 8, allez on repart, 8, 7, jambes d'appui souple, voilà encore, toujours le même mouvement, 3 petits en haut, c'est parti, 3 en haut, 1,
N'hésitez pas à vous serrer, de l'ombril et l'entrée et engagez le périmètre transverse. Muscles profonds des abdos et des fesses. Redresse-toi. 8 sur le côté. Grand mouvement. 8. Recherche. Voilà. Côté, on a dit pas derrière. Allez, encore. Les trois petits mouvements. Lève. On remonte bien serrer les fesses, hein, les amis. Hein. Encore deux fois. Voilà, derrière. Premier mouvement, on en fait 16. On en fait 16. Lève. Allez. Donc je rappelle, soit le muscle parallèle au sol, si ça va, hein, si ça va même plus. Sinon, regarde, je redresse un petit peu, mais toujours pareil, la jambe dans le prolongement du muscle. Je continue encore. 8. N'oubliez pas, on va les deux fesses, hein, les deux. La jambe d'appui, pousse bien sur le talon. En haut, trois en haut, c'est parti. Trois. Encore. Le nombril est rentré. Jambes tendues dans le prolongement du dos. Hein. Encore, encore. Quatre fois comme ça. Je retiens. Voilà. Souffle. Allonge le dos dans la jambe. La dernière. Redresse-toi. Sur le côté, 7, hey. Donc pareil, hein. J'ai ma jambe légèrement pliée. Le dos, au lieu de pencher le muscle, redressons un peu, pousse. Si ça va au niveau d'équilibre, regarde, les mains sous les hanches. Voilà. Et la jambe d'appui, elle n'est jamais tendue. Hein. Hop, retiens. Donc là, on va sentir travailler sur la fesse. La jambe tendue sur le côté, on va sentir petit moyen fessier. Encore deux. Et là, trois petits mouvements, c'est parti, avec le dos, 3, 2, 1, voilà, regarde derrière, voilà, on se recoute, encore les copains, encore 4 fois, plus de 2, jambes d'appui, attention, on va aller devant, dernier mouvement, jambes pliées tendues. Hey. Donc là on fait, jambes pliées, j'inspire, jambes tendues, je souffle. Pliées, allez, on va faire 4 séries de 8. Hein. Allez, encore, ramène, pousse. Pousse avec le talon. Imagine, tu as une personne derrière toi et tu lui mets un coup de talon. Au niveau de la hanche, hein. Hey. Je plie, je ramène. Encore, finis. Souffle. Hey. Allez, courage. N'appuyez pas trop avec vos mains. Restez bien solide, hein, sur le corps. 8. 7. La jambe d'appui, pas tendue, légèrement pliée. 4. Encore 2. Bloqué derrière. Petit battement. Le nombril serré, entré, les fesses verrouillées. Allez, petit mouvement encore, 8, 7, 5, bloqué en haut. Allez, je serre le ventre, je verrouille les fesses, 4, 3, lève la jambe, allonge le dos. Lève encore un peu, 4, 3, 2, et relâchez, bien. Détendez un peu les jambes. On va continuer au sol, ça va les fesses, ça tire un peu. Vous avez senti les fesses ou pas? Non, personne. Personne n'a senti les fesses, d'accord. Allez, passez sur le dos, prenez le tapis. Prenez les oreillers, on va travailler les adducteurs, les amis. Donc si vous avez un petit cerceau, nickel, on a son petit cerceau ou pas? Allez, donc prenez une serviette. Si vous avez un tapis, tant mieux. Ensuite, l'objectif là pour les adducteurs, ça va être de créer de la résistance. D'accord? Donc si vous avez un oreiller, c'est trop facile, vous mettez deux oreillers. Ok? Allez. Et juste après, on enchaînera avec la chaise. Allongez-vous sur le dos. Pieds larges dans les hanches.
relâchez vos bras. On réduit la tendue. Et là, on va faire des petits mouvements. On va serrer les jambes. Les abdos serrés, les abdos verrouillés, les amis. Et rapprochez les cuisses. Voilà, serre. L'objectif, c'est de travailler l'intérieur des cuisses. Allez, encore. 4. Et là, tu vas bloquer. Serre les jambes au maximum. Allez, serre les jambes. Donc, n'oubliez pas, serre les oreillers, c'est trop facile. Vous mettez une bouteille en plastique, une bouteille en verre, entre les cuisses avec l'oreiller, ça va vous permettre de créer un peu plus de résistance. 4. Approche les cuisses. 3. 2. Et tu relâches. Laisse le matériel entre les cuisses. On va faire encore 2 séries. Attention, on reprend. Petit mouvement. Allez, serre les jambes. Faites attention le bas du dos. Là, on est mis à tendue. On verrouille. Son périnée, son transverse. Allez, continuez. Petit mouvement. Donc, je rappelle, si c'est trop facile avec un oreiller, j'en mets 2. J'en mets 3. 4. 3. Bloqué. Serrez les jambes. Allez. Rapproche tes genoux. Serre les cuisses. Je bloque. 4. 3. Ok, relâchez. Laissez le matériel entre les jambes. Faites des petites bascules. À droite et à gauche. Il nous reste encore une série. Ensuite, on passera sur le côté. On enchaînera. Encore les adducteurs. Reprends la position. Allez, repart. Bon, petit mouvement. Dès que ça commence à chauffer, on est à peine efficace. Hein. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de bien sentir le travail sur l'intérieur des cuisses. Allez, rapprochez les cuisses. Encore, encore. 8. 7. La troisième série un peu plus longue. Voilà, serrez les jambes, serrez les jambes. 4, 3, 2, bloqué, serre au maximum. Tu réduis ta courbure, tu rentres le nombril. Serre les jambes. Allez, restez. 4, 3, 2, relâchez, les amis. Bien. Passez sur le côté. Alors, on va continuer le travail des adducteurs. La jambe qui est par terre est tendue. L'autre est plié, d'accord? Quand tu rentres la tête, tu dois avoir ta jambe, tu dois avoir ton pied. L'objectif, ça va être de lever la jambe qui est par terre. Donc là, on appelle la jambe de terre, ok? Hop! Donc, regarde, on n'est pas devant, hein? On n'est pas derrière, on est vraiment sur le côté. Si ta jambe est trop derrière, tu vas sentir le bas du dos. Moins les adducteurs, mais plus le bas du dos, donc fais hyper attention. Voilà, je vais. Encore. Continuez, continuez. Souffle. Un dernier petit détail. Quand tu es sur le côté, tu dois avoir un petit espace entre la taille et le tapis. Ça va te permettre de garder la colonne parallèle au sol. Et si vous sentez le dos, avancez un peu les jambes. 8. N'oubliez pas, pour vraiment sentir le travail, il faut serrer le ventre. Avancez un peu la jambe. Restez en haut, petit mouvement. Go. La buteur. Voilà, lève la jambe. N'oubliez pas, hein. Là c'est la buteur, mais pas le dos. Hein. Restez en haut, bougez plus. Je reste. Lève la jambe, et on garde toujours le petit espace entre la taille et le tapis. 4. 3. Et encore, 2, puis on lâche, et là tu changes. On était à gauche, on passe à droite. Donc la position, regarde, tête posée sur le bras tendu ou le bras plié, comme tu veux. Donc si on est à droite, la jambe droite est légèrement devant. Et là c'est parti. Le nombril est rentré,
Je lève la jambe, je souffle et je retiens, j'inspire. N'oubliez pas, l'objectif c'est la lutteur, mais on reste toujours concentré sur le bas du dos. Le bas du dos est ouvert. Hein. Allez, encore. Souffle, retiens. Voilà, tu lèves. Toujours pareil, l'espace entre la taille et le tapis, les amis. Hein. Encore 16. Et ce qu'on a, le périnée et le transverse engagé. Vous vous souvenez, périnée transverse, muscle profond des abdos, des fesses. Hein. Si on ne connaît pas, le mercredi, il y a jour de pilates. Et oui. 7. Encore. Restez en haut, les amis. Petit mouvement. Allez, engagez bien les abdos. Rentrez mon rib, serrez les fesses. Avancez un petit peu la jambe. Hein. Si vous sentez le dos, c'est pas normal. Donc tu réduis ta tendue et tu serres ton ventre. Restez en haut. Reste. Pensez à votre bas du dos. Juste après, on aura besoin de la chaise. 4. 3. Lève encore un peu. 2. Relâchez. Bien. Allez, souffle un petit peu. Prenez la chaise. C'est ma chaise à la maison. Prenez deux steps. 3 même. Bien sûr, on a tous les steps. Alors, là, on va essayer de faire attention au dos, les amis. Donc, à chaque fois qu'on fait ce mouvement, on a toujours un petit peu mal au dos. Donc, il faut vraiment faire attention. Là, on va travailler le galbe de la fesse. Ensuite, on va travailler derrière les cuisses. Donc, l'objectif, ça va être de poser les mollets et de lever les fesses. Le mouvement n'est pas compliqué. Donc, pour vraiment sentir le travail sur les fesses, il faut serrer les fesses. Là, j'ai fait une petite noix, j'essaie de la casser. Détends tes bras. On lève le petit doigt, jambes pliées. Serre le ventre. Voilà. Le plus important, c'est le dos, les amis. Ne tendez pas. Hein. On bloque. Les épaules détendues. Changez. Levez la jambe gauche. Tête. Jambes pliées. Voilà. Bloqué, bloqué. Allez, je reste. N'oubliez pas. Hein. Si ça glisse, bloquez la chaise avec un mur. Changez. Jambes tendues à la verticale. Si ça va, tu peux tendre tes bras pareil vers le haut. Par contre, aucune tension sur les lombaires. 4, 3, posez, changez. Hey. Tu serres les fesses. Tu bloques la position. Prochain mouvement, on va poser les pieds sur la chaise et on va faire le shoulder bridge. Regardez, je pose les fesses par terre, je pose les pieds. Donc là, n'oublie pas, si ça glisse, colle. La chaise contre le mur. Allez, encore. Voilà, continuez. Poussez avec le bas du ventre, avec le pubis. Là, ça va tirer derrière la cuisse et le galbe de la fesse. La dernière. Restez en haut. Levez un pied, jambes tendues. Les bras bien relâchés. Les genoux dans l'axe. Serre la fesse. Allez, reste. 4, 3, 2, posez. Serrez les mains, changez. Aucune pression sur les bras. Réduis la tendue et serre les fesses. 4, 3, 2, posez les pieds et relâchez. Attrapez vos jambes. On va étirer un peu les lombaires. On va le refaire encore une fois. Juste après, on travaillera les abducteurs, le côté des fesses. Tendez les jambes, posez les volets, levez les fesses, et là on lève le pied droit, jambes pliées. Restez concentrés les amis, sur le bas du dos. Donc là tu réduis ta cambrure, tu serres le ventre, tu rentres le nombril. 4, 3, posez, changez, et avant de lever la jambe, assure-toi du bas du dos là, fais hyper attention. Allez, 4, 3, posez la jambe, changez, jambe tendue cette fois-ci. Si ça va, pareil, pousse avec tes mains et par contre serre les fesses. Hein. Allez, restez en haut, 4,
3. Changez. Posez avant de lever. Je récupère ma courbe. Je récupère bien, je serre les abdos. Et ensuite, je lève la jambe. Bloquez la position. 4. Prochain mouvement, les amis. Shoulder bridge. Posez les pieds. Les pieds. Regardez, ensuite, on lève. Et on retient. Sur la descente, sans poser les fesses. Sans poser les fesses. Retiens. Quand vous levez, pensez au bas du ventre. Si tu pousses avec la poitrine, c'est pas bon, hein. Poussez vraiment avec le bas du ventre. Restez en haut, bloc. Si ça va, lève les jambes. Allez, reste. Pense à ton bas du dos, hein. 4, 3, 2, changez. Serre le ventre. Et si vraiment ça va, tu peux tendre tes bras. Là, ça va tirer à la cuisse. Ça va tirer sur le galbe de la fesse. 4, 3, 2, posez et relâchez. Bien. Passez sur le côté, les amis. La chaise, c'est bon. Là, vous allez prendre un poids. On va travailler les fesses, le côté. On va faire deux séries à droite, deux séries à gauche. Ça va, c'est pas trop dur. Ça va? Prenez le poids. Posez, détendez-vous. Et là, c'est parti. On lève la jambe, pousse, retiens. Donc, on va faire 16 répétitions. Ensuite, petit en haut et deux séries comme ça. Donc, vous avez vu les abdos? Vous n'avez pas travaillé. On les travaillera après. Alors, la position des pieds. Regardez les pieds. Ça, c'est pas bon. Les deux pieds flexent. Et quand tu lèves, c'est pas le pied, hein, c'est le pied, la jambe et la cuisse en même temps. Encore deux. Tu vas rester au milieu et là tu fais des petits mouvements. Hey. Continuez. Regardez mon dos. Allongez votre dos. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Hein. Sortez la poitrine et serrez les dents. 4, 3, 2, ne bougez plus, restez. Appuyez les deux pieds flexent. Relâchez, mini-pause. On va refaire une deuxième série. Allez, préparez-vous. On repart, pause. Alors, l'amplitude. Plus tu lèves, moins tu travailles la fesse. Donc là, c'est ouverture, genou à hauteur des épaules. Hein. Là. Donc jambe gauche, épaule gauche. Lève. Si c'est dur, sans le poids, d'accord? Mais par contre, n'oubliez pas, abdominaux, fesses serrées. Hein. Encore deux. Restez au milieu, comme tout à l'heure. Petit mouvement. Allez, petit mouvement. Appuyez, appuyez avec votre main. Fais la résistance là. Les deux pieds flexent. 8, 7, 5, 4. Bloquez. Appuyez avec ta main. Même si on a le poids, appuyez avec ta main. 3. 2, et on relâche. On change, on est rapide. Attention. 4, 3, 2, yes, repart. Pousse, hey. Donc là, c'est le même principe, les amis. Deux séries de 16. Ensuite, on bloque au milieu et petit mouvement. Souffle quand tu lèves la jambe. Allez, encore. Regarde les pieds, ça c'est pas bon, hein. Pieds flex et les jambes. Ramène bien les jambes vers toi. Ramène bien les jambes vers toi. Est-ce qu'on a le droit? Bloqué, petit mouvement au milieu. Alors regarde, bras tendus ou bras pliés, comme tu veux. Et la tête bien relâchée, hein. La nuque est longue. Petit mouvement, 8, 7. Appuyez avec votre main, les amis. Bloqué, tenez la position. Et relâchez. On a la deuxième série. Préparez-vous. Dernière série. Et après, on aura les abdos. Hein. 4, 3, 2. Allez, repart. Bon. Pensez à l'efficacité du travail, copain. Allez, encore. Lève. Continuez. Regardez mon dos. Là, je me redresse. Ne commande pas. Serre le ventre. Souffle, retiens.
Et encore. La dernière, reste au milieu. Allez, petit mouvement. Serre. Allez, courage, les amis. C'est dernier effort pour les fesses, pour le bas du corps. 8, 7, 4. Bloc au milieu. Regarde, la main est à plat. Appuie avec ta main. Appuyez. Appuyez encore. Encore un peu. 4, 3, 2, relâchez les amis. Plus vite l'étirement. Voilà. Donc là, on va faire travailler les fesses, les abdominaux, les cuisses aussi. Passez sur le dos. On va faire les étirements 2 minutes et après on enchaînera les abdominaux. Attrape les jambes. Ramène les cuisses vers toi, écarte un peu les genoux. Ramène, ramène. Tu relâches. Écarte les cuisses. Appuyez avec vos mains. Ouverture des jambes. Légèrement des adducteurs. Ouvre encore un peu. Tu relâches, tu ramènes devant. Cheville, genou. Donc cheville droite, genou gauche. Le bras droit entre les jambes et attrapez votre genou. Posez la tête, levez doucement les fesses. L'étirement, côté de la cuisse, côté de la fesse. 4, 2, tu relâches, changez. Cheville, genou, le bras gauche entre les jambes. Attrapez soit la cuisse, soit le genou. Vous allez poser les omoplates et la tête. Inspirez. Pliez doucement les bras. Ramenez les cuisses vers vous. Levez les fesses. Levez le bas du dos. Allez, encore. 4. 3. 2. Et relâchez les mains. Ok, on voit deux. On va enchaîner les abdos. Je vais changer la musique. Bon, ça va, on va bien bosser. Allez, 15 minutes d'abdos, les amis. Je vous rappelle le stretching. Les 15 minutes, on les a enlevés pour avoir plus de monde le vendredi. Vendredi, il y a cours de stretching pendant 45 minutes. Il y a mon ami Greg de Martinique. Salut Sophie! Pour les abdos. Ok. Il y a du monde aussi là-haut. Ok. Allez, c'est parti. Passez sur le banc. Petit gainage, les amis. Donc là, on va commencer deux faces, à droite, à gauche. On part sur des séries. Préparez-vous. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Go. Donc si tu as mal au dos, tu peux poser tes genoux, d'accord? Si ça va, tends tes jambes, tu rentres le nombril, tu serres les fesses. Allez, je reste. Si tu te sens bien, lève le pied droit. Aucune pression sur le dos, hein. Dents remontées. Allez, je reste. 4, 3, posez, changez. Aucune pression sur les épaules, bloc. Lève le pied, et si ça va, hein, vous pouvez parler au sol. 4, 3, prépare-toi. On va pivoter sur le côté. Donc, tu poses ton pied, tu ramènes ton avant-bras, tu pousses. Donc les deux jambes tendues. Soit les deux pieds serrés, soit un pied devant ou derrière. Si tu sens que c'est trop dur, tu plies la jambe qui est par terre, tu poses le genou, d'accord? Prends ton bras. Réduis la courbure, petit en haut. Lève. Petit mouvement avec tes fesses. En milieu. En milieu. Voilà, encore, encore. 8, 7. Les épaules, regardez, sur la même ligne, vont remonter un peu, sinon vous allez avoir une tension sur les épaules. Restez en haut, écoute-moi. Réduis la longueur. L'objectif, c'est la taille. On lève la tête. 4, le regardement. 3, préparez-vous, on va changer. 2, change. Allez, je réduis la tendue. J'ai la muscle longue.
Et on fait des petits mouvements au milieu, en haut, en haut. Allez. N'oubliez pas les amis, c'est la taille, hein, pas de dos, hein, la taille. 4, 3, 2, je reste en haut. Reste. Évite la courbure. 4, 3, on change de côté les amis. Change de côté. Repart, petit en haut, repart. Tête. Levez la tête. Allez, petit mouvement. Si tu appuies avec ta main au niveau de la taille, normalement ça va être dur, hein. Normalement. Restez en haut les amis. Donc j'ai réglé la courbure. Si ça va, si tu peux lever la jambe, c'est au-dessus. On n'est pas obligé, hein. Vraiment que si ça va. Aucune pression sur les hauteurs. 4, 3, 2, changez de côté. Allez, on repart, petit en haut. La taille, pas le dos. La taille, pas le dos. Répète après moi. La taille, pas le dos. La taille. Vous répétez ou pas? Restez en haut. Reste. Allez, serre, serre. Restez en haut, les amis. Repassez devant. Changez de côté. Troisième série, petit en haut. 8, 7, 6, 5. La taille, on a dit, le nombril est rentré. Restez en haut, ne bougez plus. Reste. Allez, reste. Voilà. Allez, on tient les amis, n'oubliez pas, pas le dos, pas les omers, la taille, change de côté, petit en haut, repart, tête, réduis ta courbure, débouche les abdos, hein. Allez, encore, 4, 3, restez en haut, allez, chocolat. La nuque est longue, les amis. Il nous reste encore une petite série. Hein. Allez, on reste. 4, 3. Dernière série. Change de côté. Petit en haut. Laisse, laisse. Si vous sentez pas le dos, posez-vous la question. Est-ce que j'ai réduit ma courbure, la neutralité? Et ouais, ça c'est la base. Hein. Allez, encore, encore. 4, 3. Reste. Tiens la position. Entre le nombril, serre les fesses. Allez. Restez, restez, restez. 4. Évite de remonter les épaules. Hein. Change de côté, dernière série, la ligne. Petit en haut. Lève. Lève. Un petit peu plus haut. Réduis ta courbure. 4. 3. Reste en haut. Allez, je rentre devant. Je serre les fesses. Reste. Tiens la position. 4. 3. 2. Devant les amis. Allez, jambes tendues. Tous les genoux posés. Rentre devant. Serre les fesses. Tiens la position. 4. 3. 2. Relâchez. Posez la tête, avancez les mains. On a fait 5 minutes. Hein. Tu relâches. Passez sur le dos. Nickel. Pliez les jambes. Là, on a fait la taille. On a fait les obliques. On va continuer les obliques. Et sur la fin, on finira par vos genoux sur les bassins. D'accord? Lève les pieds. Alternez-vous sur les jambes. Avec moi. Droite. Gauche. Placez vos mains, soyez à la tête, soyez les oreilles. Lève les épaules, alternez à droite et à gauche. C'est parti. Droite, gauche. Plus tu ramènes la cuisse vers toi, plus tu vas travailler le bas des abdos. Par contre, les bras restent ouverts et je vois l'espace entre le menton et la poitrine. Allez, encore. 8, 7. On va faire des mini-pauses à chaque fois. Hein. 4. 3, 2, dernière à droite et à gauche. Ok, relâche, souffle un petit peu. 4, je reste. 3, 2, lève les pieds. Que les jambes, les amis, alternez devant. Droite, gauche.
Placez vos mains et arrachez plus près des oreilles. Les muscles des épaules alternent. Droite, gauche. À droite, tu inspires et à gauche, tu souffles. Alors, regarde-moi. Si tu fais ça, regarde, c'est pas bon pour les cervicales. Hein. Non, les bras ouverts. Et l'espace, mon bon poitrine. 8, 7. Encore. 4, 3, 2, tu relâches, mini-pause, 4, 3, mini-pause, 1, 2, levez les pieds, reprenez les jambes devant, droite, gauche, allez, on alterne, pas trop bas avec les jambes, les mains et les oreilles alternées, et plus vous descendez avec les jambes, plus vous risquez de tirer sur le dos, donc faites hyper gaffe, hein. La limite, c'est le dos, le bas du dos plaqué par terre. Plus tu descends, plus tu prends. Allez, nombril rentré, hein, comme d'habitude. 8, 7. Encore, 4. 2. Derrière la droite à gauche, tu relâches, mini-pause, 4. 3. Dernière série, 2. Lève les pieds. Et là, on n'alterne pour l'instant que les jambes. Plus les jambes. N'oubliez pas, le bas du dos plaqué par terre. Place les mains. Lève les épaules. Alterne, droite, gauche. Hey. Donc là, on va être au plat. Et c'est l'épaule qui va chercher la diagonale. C'est pas le coude. Allez, courage, les copains. Courage. Encore. 8. Les 4 dernières, 4, encore, 2, relâchez, tendez vos jambes, tendez les bras, avancez vos pieds, éloignez vos mains. Prochain mouvement, relevez le bassin, si ça va, relevez juste en même temps. Donc, soit les mains posées par terre, faites les fesses, si tu as l'habitude, les mains derrière la tête. Et si ça va, tu lèves les fesses et les épaules en même temps. Voilà, c'est parti. Levez. Ouais, chante, chante. Voilà. Allez, encore. Accélère avec toi, accélère. 8. Levez un peu plus les fesses, les amis. 4. Encore 2. Tu relâches. Souffle un petit peu. Donc là, à chaque fois rapide. 4. 3. 2. C'est reparti. On va faire des séries de 10 à 12 répétitions. Encore 8. Lève bien les fesses. Quand tu en roules, tu souffles. Tu descends, tu inspires. Encore. 4. Le bas des abdos. Voilà. Souffle un peu. Allez, balle un peu si tu es fatigué. Je vois que tu bailles. Lève les pieds. 4. 3. 2. C'est parti. Levez les fesses. C'est le temps. Soufflez bien. Hein. Encore. 4. Tu relâches. Souffle un petit peu. N'oubliez pas, votre bassin, c'est le bas des abdos. Hein. Repart. 4, 3, 2, 1. Levez. C'est dur, on peut faire une petite pause, t'inquiète pas. Hein. Et si vraiment c'est trop dur, regarde, pose les mains près des fesses. Encore 4, 4, 2,
Relâche. Soutiens les deux. Tends tes jambes dans ses bras. Allez, remue-toi. Il nous reste encore deux séries, les amis. Deux petites séries. Allez, relâche. Lie les jambes. Levez les pieds. 4, 3, 2. Allez, c'est parti. Levez, soufflez. Voilà. Encore. Plus que deux. Et voilà. Mini-pause. Préparez-vous. Les 12 dernières. 4, 3, 2. Allez, on repart. Souffle, retiens. Retenez les amis. 8, 7. Et 4 dernières. 4, 3, 2. Relâchez. Tendez les jambes, les amis. Poussez avec les mains, poussez avec les pieds. Tu relâches, plie tes jambes, les mains derrière les cuisses, et les pieds, fais une bascule. Pivotez, avancez un pied. On va étirer les muscles fléchisseurs de la hanche. Allez, vers l'avant. Je relâche. Change. Avancez le pied. Poussez vers l'avant et vers le bas. Lève la tête. Relâchez. Venez avec lui, les pieds dans le bord de hanche, tends tes jambes et garde le buste vers l'avant. Descends avec tes mains. Pliez les jambes, déroulez doucement le dos. Remontez. Croisez les doigts, regardez, écartez les jambes. Vous allez pousser avec les mains. Vous relâchez un bras, donc d'abord tu réduis ta cambrure. Hop. Ensuite tu penches le buste. L'objectif c'est l'étirement de la taille et le dos. 3, 2, tu ramènes, change. Serre le ventre, pousse avec ta main. Les jambes ne bougent pas. Éloignez votre main, les bras, le bras, l'épaule. Encore un peu. En haut. Et on peut relâcher. Merci beaucoup, les amis. J'espère que ça a été. On a bien travaillé. Merci, Sophie. Bruninho. Les amis. Donc, demain, cours de pilates. Demain, cours de pilates. Jeudi, vendredi, normalement, c'est férié, les amis. Donc, je viens pour faire le cours de circuit training. Si vous voulez un cours, vous me faites un petit pouce, vous me faites un petit signe, si vous êtes là. Sinon, je ne vais pas faire un cours pour une personne. Ok, les copains? Merci, merci Coco, je t'embrasse. Merci à vous, n'oubliez pas. Réouverture prévue le 2 juin, normalement, on vous tiendra au courant. D'ici là, prenez soin de vous, de la famille. Merci d'être là sur Facebook, sur YouTube. Merci beaucoup aussi pour la cagnotte Litchi d'avoir participé. Je vous embrasse et je vous dis à demain les copains. Ciao.